C'est pas un Muppet. En plus, on peut s'habiller en grenouille. Oui. Si t'as envie. Tu l'avais fait en plus. En Kogoromi. Non, Tu l'avais fait. en Kelogun. Tu l'avais fait en plus. Oui, je me suis habillée en grenouille. The unit is now in position and Bon. ready to commence combat. Kokoshio! Mon pyjama chelou. Mais arrête de critiquer ces vêtements là! Il Non, je critique les critiquais vêtements de le... Chio! Je... Non, je critiquais le pyjama chelou grenouille. Ah, le truc rose là. Oui. Horriblement rose. Non, mais ils auraient pu complexer, faire le jeu un peu plus compliqué. C'est-à-dire en fait que si tu meurs une fois, enfin si t'as plus rien, bah tu recommences à zéro. Ça aurait été plus RP. T'as vu que c'était un roguelike Quoi? quoi? Non, non, mais non, T'as vu que mais c'était t'as un une jauge roguelike ou quoi? d'endurance et Bah oui. Je te rassure, d'habitude je meurs pas autant sur un Daouspita. Hein. Parce que si on galère sur un Daouspita, comment dire qu'on va galérer sur autre chose. Hein. Et qu'on n'est pas prêt d'avoir fini. Hein. Mais là, on est quasiment à la fin de l'arc. Mais pousse-toi, Lista, tu me gênes là. Pousse ta mini-jupe à carreaux là. J'aime bien l'engueuler. Parce qu'elle veut la classe, mais à quasi à poil. Ta vie sera. Quoi? Ma quoi? Ma vie? Ça commence par un V, ça finit par un E. Oui, je me sens... Ah mais... Débile. Pourquoi t'as dit débile? Débile, j'ai bon. Elle a dit un V, hein, pas un D. Ah, j'ai oublié de préciser en trois lettres. Oh merde. Ah oui, on va te mettre dans le trou, hein. Non, non, c'est pas vrai. C'est dommage qu'on peut pas le faire. Ouais, t'es drôle. Quand dans ce cas est dur. Ring out. Oh, j'ai même pas fini sous le calibre. Ça prouve mon état de. Est-ce que ça se finit un jeu de combat? Non, non, mais j'ai pas fini la balance de l'homme là. Oh, fort. Généralement, le solo dans le jeu de combat, c'est très... Non, bah après, j'ai fait tous les personnages. Voilà. Ça Ouais, prouve mon est. le mode histoire hors balance machin, même de toute façon, les modes histoire dans Soul Calibur Quoi, ma 6 balle sont a pas trop bavards. fonctionné? Non. C'est pas. Non, non. Attends, je demande l'arbitrage vidéo là. Sur le cas, un bon solo. Oui, bah oui. J'ai pas fini à balance de balle. Ouais, Souka, c'est trop, c'est vachement bavard. Hein. Le Soul Calibur est vachement bavard, je trouve. Pour moi, de façon, le meilleur solo de Soul Calibur, c'était le 3. Bon, après, le 4, bon, ouais. Le 5, j'ai quasiment pas joué. Je peux pas me... Non, mais tu crois vraiment que j'ai eu les dialogues? Non. Mais le 3, justement, ce qui est bien avec Skyber 3, c'est qu'il y avait un certain équilibre entre avoir un scénario et ne pas être trop bavard non plus. Thank you.
De toute façon, moi, le Soul Calibur 3, pour moi, c'est mon préféré. Ça. Le 4, j'ai pas été spécialement fan. Bon, surtout qu'en plus, en ligne, tu tapais souvent du Yoda dans la version Xbox. Parce qu'en fait, comme il était petit, la plupart de tes coups ne touchaient pas. Et ça, c'était relou. Bah, comme Gun dans Tekken 3. Hein. Ouais, mais. Sauf que généralement, tu peux insulter les gens qui prennent Gun parce que du coup. Bah comme ça je vais pas online. Voilà. il y avait encore pire dans Tekken 3, t'avais aussi le vieux. Le Dr Boskonovic. Ouais c'est celui-là, il était horrible celui-là. Le créateur de Alissa et le réparateur de Yoshimitsu. Et aussi je crois de Brian aussi je crois. Ouais il a. Ouais il a un peu aidé Il a pipé. Il a pimpé Brian in the kitchen. Pimp my Brian. In the kitchen. Ça, je sais pas s'il l'a fait dans une cuisine. Hein. C'est possible. Oui, parce qu'il veut se venger de Yoshimitsu. Ah, j'ai oublié qu'il faisait des attaques tout à foutre. Pour lui. Je me rappelle plus pourquoi. Vas-y, mais... Brian est complètement taré. Ah déjà son rire des. Ok moi j'ai spam Siegfried vu qu'il avait enfin séparé. Et là, clair. Oui mais ça fait longtemps que Siegfried a été séparé de Nightmare. Ça fait depuis Soul Calibur 2 je crois. Ça fait longtemps qu'ils sont séparés les deux personnages. En tout cas, dans Soul Calibur 3, ils étaient déjà séparés. Peut-être qu'après, ils nous ont remis. Dans le 3, il a la Soul Calibur. Ouais. Dans le 4, il a rien. Et Nightmare, il a toujours la Soul Edge. Et dans le 4, c'est. Merde, c'est qui le boss déjà du 4 De toute façon, Soul Edge. Dans le 4, je sais pas. Je me rappelle plus. Je crois que ouais, c'est Huggle. Huggle ou il est dans 5. Je sais plus. Dans le 3, le méchant, c'est Zazamel. Zazamel. Et qui après se transforme en espèce de gros truc. Là. Et dans le 3, je me rappelle plus s'ils avaient mis un personnage. D'un autre univers, je crois pas. Je crois pas qu'il y avait de guest dans le 3. Dans le 3 Ouais. Dans le 3. Je crois pas qu'il y avait de guest. Si, ils ont tous eu. Dans le 2, c'est Link. Dans le 4, il y a eu Link. Dans le 2, il y a Link, Spawn et Yashi. Bah en fait c'est parce que t'as Spawn pour la version Xbox, et Yashi pour la version PS2 et Link pour la version GameCube. Dans le 4 t'as tous les tas Star Wars. Ouais, et dans le 5 c'est Dans le 5 t'as Ezio. Et dans le 6 c'est Tooby bah, y a Gérald de Rive. Et Gérald de Rive. Oh. Dans le 3 je crois pas qu'il y en a par contre. J'ai pas de souvenirs. C'est important. Il chante. Non, elle chante pas maintenant. Like, y a quelqu'un qui chante. Oui, il y a quelqu'un qui chante en fait pour l'appeler. Il est parti à la Aegis. Donc quand je dis qu'on est rendu quasiment à la fin de l'acte 1, quasiment fini à l'acte 1. Cosmos, je connais pas.
Cosmos? Cosmos? Bah Mais si! pas du tout. Moi je connais Cosmos! Elle est dans Xenoblade Chronicles 2. C'est... Mais non! Bah si! On parle de Soul Calibur 3. Mais si, C'est un jeu PS2. y a Cosmos! Oh! Comment? Ah, là, désolé, je fais un truc. Unique origami was detected off the coast of Aegis Island. All scouts indicate that it should still be near the Pacific shallows. Hunt down this origami, but be wary, it possesses a Allô? unique and Oui. dangerous intelligence. Ouais, désolé, quelqu'un qui avait sonné. When you do find this creature, Okay. you are to execute it and extract the core immediately. Oh. Tu sais, Cosmos, c'est une invoque dans Xenoblade Chronicles 2. C'est une lame rare. Très rare. Xenosaga, ouais, je connais, je connais Xenosaga de nom. Elle a 0,01% d'apparaître dans ton équipe. Cosmos. Qu'est-ce qui se passe? Section exécutive. Ah. Un tetzakalipoca. Oui, un tetzapolical, quoi. Du divin. Oh, en fait, c'est pas un personnage à... bon, c'est pas vraiment un personnage à part entière, en vrai. C'est juste un costume. Bon, on m'a dit qu'il fallait que je sois à poil pour survivre. Du coup, tu vas te mettre à foie, c'est ça? Ouais, je vais essayer de survivre un peu plus. Encore Soma. Un petit shorty discret pour le baffre à l'affaire. Il y a un problème, il n'y a pas le bonnet de Noël. C'est ça que j'ai besoin. Non, mais il y a un C'est moment. pas très habillé. Bah, je devrais survivre, hein. Non. Mais d'accord. Je réponds aux Ah critères. Je ça, veux survivre. c'est pas très habillé, c'est sûr, hein, ça. Mais moi, je veux survivre, hein. Ça dit que moins on a de fringues, mieux on survit. Alors, je veux survivre. Moi je peux pas Non, c'est mettre à pas poil, possible de faire c'est con. plus les ras-la-moule que certains costumes.
Je confirme. Je sais même pas s'il y a du chat en fait sur les vidéos. Plus court, ça passe en CRO-R. Bon bah attends, le temps que ce soleil se fasse tout beau. Tant que ce soleil se fasse tout beau. Ah ouais, on peut faire ras la moule là. Hein. Voilà, déjà. Voilà! Je vais survivre là, Ah tu ouais, penses? c'est... Je vais survivre là, tu penses? T'as pas pris la mission. Moi, je peux pas me foutre à poil, c'est con. Je m'agouerais. L'inégalité. Il y a l'inégalité. Je peux pas faire plus court. Hein. Il paraît que le divin va être efficace contre le monstre, Oui. mais je sais pas contre quoi qu'on doit se battre. Un Tezapolika. Un truc Je inca. vois comment. Attends, je vais voir si je peux améliorer un truc, une arme quand même. Non, je sais ce que je peux en créer une. Oh, vivement les vacances, je vous jure. Déjà vivement ce week-end. Déjà. Ouais, je pourrais créer des épées type bleu. Type bleu et type jaune. Ça peut être pas mal ça. Et type jaune. Pendant que Sora fait son shopping, je vais voir si je peux pas trouver quelque chose encore plus court. Non, c'est bon, on peut y aller ou... On peut y aller. Encore plus court. Encore plus dévêtu. Foulard à poil. Quoi, les vacances à quand? Oh, il y a À quand les pire dans le vacances? À quand coup. les vacances? Hein? Nana qui est habillée I'm encore sure plus you've already court figured out that riddle. dans le 2. You know who my father wants us to find out here. The unique Aragami. He wants us to hunt Shio. All my life, I've let him send me on these missions. Search and destroy. Hunt and kill. Ah. There is no way in hell that I will hand Shio over to that bastard. He will not lay a finger on her. I don't want you to mistake the thing. Non mais me tape pas dessus, ça m'a. Moi je l'aime bien, Shiyu. Elle est toute mignonne avec son. Qu'est-ce qu'on mange à KFC déjà? Des buckets, un gros pot de buckets d'Aragami. Elle est mignonne pour ça. Moi je suis tout de sous mes vêtements. Ça peut pas être pire de ce que je t'ai sorti hier, hein, Thomas. Un bouquet. Bien. You may begin when ready. Stay sharp out there. Your primary objective is to clear the region. Bring down any Aragami you find. J'ai déjà une bêtise, mais bon. Vous kiffez le poulet qui n'a jamais vu le jour, c'est ça? Et... C'est... Bah, les poulets de KFC, c'est des poulets élevés en batterie, tu vois. Ils n'ont jamais vu la lumière du jour. Eric, il s'est fait tuer par un monstre comme ça. Un ogre Tails. Et j'ai trop pas de vie. Non. Et ça, on s'en fout. Personne ne l'a vu que j'avais pas de vie. Pourquoi t'as déjà pas de vie? Qu'est-ce qui se passe? Bah, en fait. Pas encore qu'il faut que je fasse ça. Step by step. Wow, c'est quoi ce truc? J'ai jamais. Encore une autre sorte de quadra machin là? Un truc un cas. Ok, ça répond à ta question. Un mélange entre un gunjack et Ouais,
Tu vas nous laisser tranquille. Un quadragénaire, fuyez, pauvre fou. C'est vrai qu'ils sont dangereux les quadragénaires. Stay strong and fight harder. Shoot. Ready to fight again. Now we got you. Oh, schmez. Nailed it. Ah, c'était pas prévu. Wow. Le programme qui saute et qui me splatch par terre. Thomas, ou cheux. Il m'a fait très très mal. Bah, j'ai eu mal aussi, j'ai pas fait gaffe à ma vie. Je suis pas habitué à avoir zéro de vie sans même. Donc, frugalité, faut que je garde pour plus tard. Pour que je puisse faire l'épée que je pense. Non, mais c'est abusé ça. C'est moi qui est juste à côté. Ah bah non, il s'est fait virer. Il a fait abeler la queue. Alors on change le stuff pour la prochaine mission. Ça c'est cool, mais pour plus tard, la frugalité. Au moins la pêche me casse. Hein. Ah, là c'est bon. Talzo TK. Oula, on est à Tchoum. Reculez. Ah, je vous ai reculé, c'est moi qui prends le truc sur la gueule. C'est ça en fait. Reculé et c'est elle qui est mort. C'était pas marqué dans mon contrat. Hein. Non mais là c'est pas du jeu, monsieur l'arbitre, là j'étais loin. Ah, aïe, missile. Non mais, oh là là, mais non mais c'est pas possible. Il recule. Je me suis pris un cher d'assaut dans la poire. Bon, c'est pas grave, restons concentrés. Le tomate, hein. C'est moi qui est mort parce que... Voilà. Non, là, je vais mourir, là. T'as fait gaffe. Lamberto est en incapacité. Faites ce que vous faites. Faites-lui du bouche à bouche ou du bouche à oreille. Enfin, je sais pas. Faites-lui un truc, qu'elle se passe mourir. J'arrive, Shun. Oh, merci.
Non mais... J'esquive, ok, bon. C'est pas grave, je t'aime bien. Mais il faut pas non plus abuser. Des fois la hitbox elle est complètement craquée sur ce jeu, mais des fois pas du tout. Hein. Ah, des problèmes de hitbox. Toujours très sympa. Qui traîne avec quelqu'un qui m'a fait. Ok, j'ai voulu tester tout bétail. Je t'en veux pas. Non mais j'aurais dû rester par terre. On ne serait pas fait toucher. Ouais, j'aurais eu la. Des fois, il y a des jours où il vaut mieux pas s'élever. Non, des fois, il vaut mieux rester dans son lit et pas les combattre des Aragali. Parce que comment dire que si je meurs encore une fois... Ah oui, t'as 5. Ah. Vraiment que je pense après la mission à changer. Il y a pas moyen de changer, il y a pas moyen de changer les boutons en vrai. Ouais, je regarde ça. Parce que j'ai remarqué qu'il y a un bouton qui ne sert à rien. Là. Lequel? Le bouton LT. Bah non, parce que. Le bouton LT, il sert à rien. Non, il sert pas parce que c'est pour remplacer la touche parce que sur PS Vita. La discussion, c'est au tactile. Ouais, bah du coup, ça serait bien que je vois si je peux configurer pour mettre le bouclier ici. Parce que le bouclier, je le trouve pas super pratique à appuyer sur deux touches en même temps. Je trouve ça pas super pratique, moi. Qu'est-ce qui va se passer? Là, elle chante. J'ai dû aller sans jamais dans cette chanson. C'est vrai ce que disait Tom.
Chiyo, tu descends, s'il te plaît. That's the reason it makes you afraid. I don't want to go. I don't. The words are sad. They're singing about loss. About never seeing the one you love again. But we did see each other again. You're right there. Because we're different. Ah, pardon. Oh. We came looking. Let's go home, Shio. Okay. Vas-y, chante les faux, Josiane. Ça valait le coup, dis donc. Elle est possédée, cette... Tu vas voir. Oh non. C'est un couillon qui devient parano. Si il m'arrive quelque chose, je veux que tu veilles sur les autres. Elle est pas parano. Et dis à Lisa que je suis pas parano. Elle est juste elle. Elle est juste quoi? Elle est juste elle-même. C'est-à-dire? Un acting absolument fabuleux. Pardon. À tes souhaits. Merci. De la chanson de la chiose. Mais arrête, elle est mignonne, Chio. Il est méchant. Non, mais Chio lui a rien fait. T'as rien fait, Chio. Bon, qu'est-ce qu'il manque pour me faire mes armes là?
Wow. Il me manque tellement de choses. Oui, enfin, je sais pas. Encore le petit Zakalouf, petit pet machin là. Le tête que plique, oui, enfin, je... Des attaques écrasantes à la tête. On débute. Le tête Zapolicalt. Il faut vulnérable à cause, c'est une merde là. Quel méchant. Quel sale. Quetzalcoatl. Divin. Ah. Divin. J'ai pas d'arme divine. Et Kangou. Éclair, brasier. Brasier. Si c'est déchu, c'est un brasier. Si c'est féroce, c'est divin. Ouais. Je crois que c'est normal. Tiens, je voulais voir si je pouvais pas changer mes touches. On va regarder ça vite. Défense. LT, allez hop. Non, non, t'inquiète pas, Tom. Pas de soucis. T'assois pas comme ça, Josiane, on voit tout. Ah, c'est toi, Josiane? Je crois qu'il y a Tom qui t'appelle Josiane. Ouais, c'est ce que j'ai compris, ouais. Josiane, pour moi, c'est un prénom de personne assez, assez âgée, assez vieille, quoi. De quadragénaire. C'est ça. Hein. J'ai jamais vu Josiane à notre époque, qui ont mon âge. Ou notre âge, du coup. Je ne parle de sa perso, pas d'elle. De sectagénaire, plutôt. Ouais, il y a des chances, là. Là c'est les... Ça, c'est les personnes dont s'occupe Luc. Ouais. Mais pauvre Luc, il a des soucis avec le boulot, hein. Ah, je sais. Oh bah les deux sont là-bas. Ça fait un truc. That's a confirmed execution. Was that a tornado? Because you blew me away. Ah. OK. Non, Luc. Non, je prends beaucoup plus de dégâts à poil quand même, hein. Non, en fait, ça n'a aucun rapport. C'est chiant quand ils sont tous les deux dans le même truc. Ouais, en plus, c'est un truc assez petit.
Arrête de faire ton blé-blé avec toi. Je suis blé-blé. J'ai vu récemment que les Japonais ils ont inventé un truc pour comprendre le chat. Il y a un objet au Japon, je m'en rappelle comment ça s'appelle, mais c'est, du coup c'est un truc. Si le, quand le chat il miaule, bah il va traduire. Je sais pas si ça marche vraiment. Bonette, merci d'être passé, des hibou. Bah plus Tom. Merci d'être passé. Ah putain. Et je suis mort. En dehors, il est déjà 19h, vas-y. D'accord, je vise le tepto, machin, et je tape le Kongo. Pas du loin, Kongo. Je crois que t'es tout seul contre le Texa machin. Parce que les autres ils sont encore avec moi, je crois. Allez, meurs! Suis pas! Petit con, va! Angou est mort. Ah bah c'est à ce moment-là que je meurs. Y'a Kota qui vient de te sauver. Mais j'ai tenu un petit moment dessus quand même. Ah ouais, c'est marrant. T'es un peu chaud au niveau vilain. Sur quoi? Et ça, t'as une carte d'oracle. C'est bon. All operational threats have been eliminated. Looks like that's a win. Gotta head back to base and crash hard. Well fought out there. You're gonna get some rest when you get back, right? Tear it apart. Fight. Fight.
swallow you whole. Fine, I'll do it. Ah. Security is growing tighter around here. That must mean I'm getting close. The core must be nearby. I can't see anything. What is all this? Elle va se faire défoncer. Ah bah non. Well, that was a little too close, I'd say. Alyssa, I hope you didn't think you were just gonna leave me behind. No way in hell was I gonna let you rush in here alone. That's... Welcome to the Aegis. I had a feeling it would be you two. So tell me, what do you think? Are you crushed that it's nothing like the paradise you were sold? Director Shiksa, you lied! You deceived us for years! C'est un méchant! Oui. Oula. Lindo must have found a way in. I doubt you could have done it alone. It's such a shame. Quand elle a fait un mouvement, il y a tous ces boosts qui a fait un cercle. Mais... No point in denying the truth. Dear Lindo had another master, and I couldn't risk getting bitten. There was too much at stake here. Too much to let him ruin it. He acted rashly and too soon. I couldn't allow word of Heartcrush to break these walls, not without the key well in hand. Without control over the devouring apocalypse, there is no point to any of this. Aragami will purge this world, wreathed in flame and death. And then, like the phoenix, allow it to rise again in glory. From birth to death unto birth, a complete regeneration. All species eradicated to the last. History rewritten in a searing flash of light. Save those on this arc. They will be free from the end. Each soul conveying humanity's DNA. And en fait, il veut faire comme l'Arche de Noé, lui. Unfortunately, this arc can only carry so many. Space is precious, and time is growing more so. There are only so many births into mankind's next stage. Is it not just for the common to give their lives so the best may continue on? You want to repopulate the Earth with your chosen people? You're more a beast than the Aragami! Who better than us, Miss Tachibana? Shame, though. Such a damn shame. You both have gone and gotten yourselves crossed off that list, haven't you? I'm terribly sorry, but you cannot leave this place. Oh, were you expecting something? I went out of my way to destroy all your safeguards. Clever and problematic. It seems I have no other option but to have you kill one another. I was hoping it would not come. Hey, buddy. No. It's been a while, Alyssa. This is your fault. Wouldn't it have been better to just slip into death if that coma had lasted forever? Clearly, you still have some passion. Why deny it? If you're so eager to kill once more, I'll gladly lend a hand. Are you... Wait, no! Yaden... Va... Mais... Cree. Don't! You're stronger than this, stronger than him! You always have been! You didn't kill Lindo, you fought it then! This has never beaten you before. You have always been a fighter. So fight now! You have the power to protect those you love! Pretty words, Sakuya. But you must have lost your damned mind. What the hell? Sorry. Recovery bullet. Recover? Oh, hell. C'est niqué. Do I
already have enough to worry about? Damn them. So that's the truth. The Aegis Project, the Ark, all of it. That sheet before you is the list of every eligible passenger approved to board the Ark. You will find each of your names on there. Anyone related up to the second degree can board that monstrosity and sail into safety. Of course, Alyssa and I were struck from their number. We knew what would happen when we tried to infiltrate Aegis. If the director's plans come to fruition, you'll be saved. And in a way, that makes me happy. But Alyssa and I are fugitives now. Certainly as far as Fenrir and the Branch are concerned. A lie? It can't be a lie. We put so much faith in this. Aegis was meant to protect us. It has to. I was never going to do what that tyrant commanded. Not like I'd be on the list. I'm half Aragami. They don't want me in their new world. There's no way they'd let me survive a day. I'm already impure. Your name is there, Soma. He's the director, but he's still your father. I don't know. Même s'il a des la moitié Aragami. I refuse to let this Ark begin its voyage. I refuse. Me too. This isn't about lying or criminal charges or anything like that. This is just wicked. We're gonna stay hidden. Stay underground as long as we can before we strike at Aegis again. We wanted you all to know. I won't force you into anything. I think you should make up your own minds. And even if you choose to join with Shixal, even if you fight against us, you're still our friends. But if you get in our way, we will tear you apart. Alyssa! Joking, joking, mostly. Still, I don't want to fight any of you. I hope you'll come to our side. We've been on too long already. We must disconnect. Think hard and have no regrets. Moi, mon choix, il est fait hein. Depuis un bail. I'm sorry. I already know I'll let you down. I'm going aboard the Ark. Hey, at least I know, right? For years, I've been banking on the Aegis Project. Now that it's all smoke? Look, I have to keep my family safe. I made that decision long ago. I would do anything, anything in my power to protect my mom, to protect Nozomi. That's why I became a God Eater. And that's why I have to board the Ark. I have to. T'as choisi ton camp, Sora ? Ben... Il me dit que la connexion à cette session est interrompue. Oui, bah c'est pas grave. Donc je fais des hibou YouTube, je fais des hibou aussi au stream, je fais des bisous, des hibou aussi à Sora, parce qu'il faut que je le laisse. Allez, des hibou tout le monde, et la suite au prochain épisode. Espérons qu'on termine enfin... l'arc 1. Salut, salut tout le monde. Salut.